Bonjour mes tutoriels, j'espère que vous allez bien, moi très bien, je reviens dans ce vlog. Je vous avais pris vendredi je pense, j'avais dit que j'allais vous revenir du week-end mais je ne suis pas revenue. Je vais vous expliquer, je pensais vous reprendre mais on a été au marché de Noël comme je vous avais dit. Mais il n'y avait vraiment pas grand chose où on a été, du coup j'ai pas vlogué là-bas. Voilà, et puis on a été, où on a été? Je ne sais plus ce qu'on a fait d'autre. Et puis au matin, on avait cherché un cadeau d'anniversaire. Du coup, je voulais pas vlogger non plus parce que je voulais pas qu'on voie le cadeau. Même si je sais que la personne n'est pas dessus, mais voilà. Du coup, voilà. Et dimanche, on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Et là, je vais manger après mon petit cookie au chocolat. Ah, j'ai trop envie. J'ai. Bah, hier, on n'a pas. Enfin, dimanche, on n'a pas fait grand-chose. J'ai fait du coloriage un petit peu. Je trouve pas trop beau, mais voilà. Voilà. Bon, plutôt il est beau. J'aime bien plutôt. Mais j'aime moins Daisy. Voilà. À part ça, je suis toujours dans un palais d'épines et de roses. Je suis vraiment en retard dans mon programme. Je devais être à 250 aujourd'hui. Je suis qu'à 126 ainsi pages. Je suis mitigée par cette lecture. Voilà. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que la plupart de vous l'avez déjà lu. Je suis un peu. Je suis mitigée. Et en plus, il est tout abîmé. Je sais pas si vous allez voir. Là, c'est mon marque-page, mais là, il y a plein de petits coups. Je ne sais pas d'où il vient. Il est vraiment fragile, ce livre. Du coup, voilà. Et je voulais vous revenir parce que, en fait, j'étais chez Belgique Loisirs. Voilà, mon beau sac, il est beau. En toile de jute avec des belles. Les lanières sont vraiment chouettes. Voilà. Et je viens d'apprendre que Belgique Loisirs en Belgique va disparaître pour du bon. Au revoir Belgique Loisirs. Au revoir. Voilà. Même en France, il va certains qui vont disparaître. Du coup, je suis un peu tous. Mais voilà. Enfin, ça c'est le catalogue. J'ai pris la catalogue chez Club. Voilà. Et j'ai. Trois trucs à vous montrer. Oh, si j'arrive à les avoir. De Belgique Loisirs. Du coup, je me suis pris le petit agenda. Je vais être triste parce que je sais pas comment je vais faire l'année prochaine. Parce que c'est les agendas que je marque. Ils se présentent comme ceci. Vous avez toute la semaine sur le même. Sur la même. Enfin, sur la même. Voilà. Parce que je mets les heures, l'horaire de monsieur dedans. Voilà. Je sais pas à partir de quand il commence. Oh bah il commence déjà à partir du 27 décembre. Voilà. Comme ça, j'ai son agenda. Et puis, j'ai flashé pour 3 romans. Bon, peut-être voir mon ticket. J'ai pris celui-ci, qui est 12 chiens pour Noël. Il est trop beau. J'aime bien la couverture avec des petits chiens. Mais vous n'avez pas vu, c'est ça. Regardez ça, c'est trop mignon. Voilà, et là aussi, partout en fait, il fait. Et la couverture, j'aime beaucoup tous les petits chiens. Là, le chien est caché avec son bonnet de Noël. Il est trop trop chouette. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture. Enfin, plus ou moins. Pour venir en aide à mes grands-parents, propriétaires d'un refuge pour chiens, Ali quitte New York sans une hésitation à Pingwall. La jeune femme espère bien retrouver un peu de magie de Noël, mais elle ne tarde pas à déchanter. La ville est déserte de surpendre des hibernations au refus. Ceci n'est d'autre choix que de fermer pour Ali. Le coupable a un nom, Ben, conseiller municipal de Vassra, ne cesse de mettre sur la route d'Ali. Et ses grands-parents ont moins qu'un mois pour trouver des familles à leurs 12 pensionnaires à quatre pattes. Et si le réveillon allait inattendu dans cette mission presque impossible, Ben échangerait son statut d'ennemi juré pour celui d'un homme idéal.
Traduction de l'américaine de Katia Ruler. Et c'est de Lisa Wachnitz. J'aime beaucoup cette couverture. Ouais. Je pense que le lire plus tard, mais c'est écrit assez gros quand même. Voilà. J'aime beaucoup les. Vous allez voir que l'autre aussi, je l'ai craqué pour à peu près la même chose. C'est celui-là. Par contre, celui-là, c'est Les coups de cœur de Calco. Calco, je sais pas comment. Carte. J'aime beaucoup aussi la couverture. Là, on voit une montre, on voit des trucs. Et vous avez pas vu le. Il est très beau aussi. Et derrière aussi, vous avez des petits trucs à manger. C'est trop bon. Ça me donne trop envie. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couve. À la rentrée de Kiao, carte n'est qu'une seule hâte. Retrouver ses deux meilleurs amis. Le moment est enfin venu de faire le compte rendu de leurs vacances d'été, mais aussi de se lancer un défi annuel. La mission. Trouver un petit copain pour le bal de fin d'année. Le problème de Kiao, je sais pas comment ça se dit. Elle n'a jamais embrassé personne. Le problème de Laurie, Audrey et de Jana. Elles ont des vues sur le même garçon. Très vite, le défi prend des proportions inattendues. Et même une prairie. Ça ira mieux quand j'aurai de l'amitié. Les trois jeunes filles, après tant d'années de complicité, leurs chemins vont-ils se séparer à cause d'un garçon? Une histoire de garçon? Attraper ton bubble et embarquer de Kiaou dans ses aventures tout plus folles, foufoutées que les autres. Que l'une que les autres. Mais ils sont très belles. Ils me donnent très envie ces deux-là. Très très envie. Mais celui-là, la couverture. Voilà. Et le petit dernier, c'est un gros pavé celui-là. Le retour du manoir d'Emma Cavalier chez Piment Rouge. Ah oui, les autres, je vous les ai pas dit. Enfin, c'est de chez Belgique Loisirs. Ouais, c'est Belgique Loisirs. Voilà. Quand vous voyez la couverture, ça veut tout dire. Réservé aux adultes. Pour vous dire, c'est réservé aux adultes. Les enfants, hop, on retourne dans votre chambre. Allez, on va lire la quatrième de couverture quand même. Mais c'est un fameux. Passer 600 pages. Il fait 600 pages. Femme, mère, soumise, équition, impossible ou la clé du bonheur. Pauline a fait son choix. Installée dans son demeure familiale, elle est accompagnée officiellement de Julien, un amour, un maître, celui qui sait mieux que quiconque faire de sa douleur. La plus acquitte du plaisir, alors que leur fils Gabriel fait son entrée à l'école maternelle, Caroline, la sœur de Julien, est de retour au manoir. La jeune femme éprouve depuis toujours le monde de vie de sa famille. Un rejet si violent qu'il attire la curiosité de Pauline. Mais est-elle prête à se lancer dans le plus sombre secret de Caroline, réservé aux adultes. Par contre, ici, c'est écrit petit petit. Choupette, arrête. Je regardais s'il y avait des trucs à tous celles qui ont dit moi aussi. Ah. Non, il n'y a pas de. Il y a plein de trucs là, mais. Voilà,
pour le troisième bouquin. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein. Trois petits bouquins que j'ai plus qu'à écrire dans mes... Voilà. Et deux magnifiques bouquins. Voilà, à part ça, mon petit agenda que je vais utiliser après. Je sais pas si je vais... Enfin, si, il faut que je continue. J'aimerais bien continuer, mais là, j'ai envie de laisser tomber. Non, on continue. On continue. On compte sur moi. Voilà. On va essayer de continuer ça. Et aujourd'hui, j'avais plein de choses à faire. J'ai un trou là. J'avais plein de choses à faire, sauf que mon programme a dû changer. Du coup, voilà. Ma mamie est venue me chercher vers 10h. J'ai lu un petit peu du matin, mais pas des masses. Ce que j'allais dire d'autre. Elle est venue me chercher. On était à Ville 2. On a fait quelques trucs. On a fait nos courses. Elle a fait les derniers cadeaux de Noël qui lui restaient en même temps. On avait regardé un petit peu chez les CA ce qu'il y a, mais il n'y a pas grand-chose. J'avais craqué pour un manteau, mais il n'y a pas ma taille. Du coup, voilà. Et puis, on est repassé chez Carrefour, mais au Carrefour près de chez moi. Il est fermé parce qu'il ouvre le dimanche. Du coup, il est fermé jusqu'à midi, midi et demi, je ne sais plus. Du coup, voilà, on n'a pas su aller. On a tiré un petit GB, je crois que c'est du petit GB. Voilà. Et puis, j'ai été manger une tartine près d'eux, près de ma mamie et mon papa. Et mon papa m'a ramené. Voilà. Et je viens juste de revenir. Il est 2h40. Voilà. Et je n'ai même pas dit qu'on était le 20 décembre. Dans 4 jours, c'est Noël. Je vous prendrai le 24 pour vous parler, enfin pour vous faire un petit vlog spécial Noël. Vous verrez ça. Et ce vlog-ci sera plus court et je vous mettrai... Il faut au gros max que je vous le mette jeudi. Il faut que je le monte jeudi et vous le mettre dans la foulée, je pense. Mais si je le mets au soir, enfin, il faut que je le fasse. Je pensais me fermer mercredi et ce que je dis, je vais avoir beaucoup de choses à faire. Je pense que ce sera jusque mercredi, gros max, parce que j'aurai beaucoup de choses à faire jeudi. Parce que jeudi matin, je ne suis pas là. Et puis, je vais devoir préparer mes affaires pour Noël. Tout ce qu'il faut pour Noël. Voilà. Je pense que ouais, vous l'aurez plus tôt. Je ne sais pas, je vous verrai bien. De toute façon, on n'est pas encore là. Je verrai bien. Sauf si j'arrive à le monter. Que je sache monter une grosse partie mercredi. Que je vous prends le jeudi. Comme ça, je vous montre tout ce que je mets dans mon sac. Voilà. Et que je vous le mets pour. Non, pas le jour 25. Je sais pas. Je sais pas. Faut que je voie. Faut que je réfléchisse à ça. Voilà. Mais j'aimerais bien. Enfin, soit dans le prochain vlog. Ouais, je prendrai peut-être. Je ferai ceci le mercredi. Je vous le montre jeudi. Enfin, peut-être que je monte mercredi soir. Je monte le vlog. Je vous le mets pour le jeudi. Comme ça, vous aurez une vidéo le jeudi. À la place du vendredi. Et vendredi, j'en ouvre un. Je fais vendredi. Jeudi, vendredi, samedi, et le vlog là, vous l'aurez de la semaine, quand j'aurai le temps de le monter. Voilà, de la semaine, justement. J'ai essayé de le monter quand même. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je fais du blabla et du blabla. Je vais essayer de lire un petit peu, mais ça arrive dans plus d'une heure. Du coup, je vais essayer de lire un peu. Voilà. Je ferai les litières de mes chats demain. Voilà. Ouais, je ferai ça demain. Voilà. Et j'ai mangé un Kinder Joy. Kinder Joy, c'est le meilleur. Où dit laisse ta soeur? Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. J'ai des peluches partout. Je n'ai plus rien à dire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve tantôt demain. Plutôt demain, je pense, mais on sait jamais.
Bonjour mes petits fesses, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi 22 décembre. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai fait du rangement chez moi, du coup voilà. Et je n'ai pas lu non plus, du coup j'avais pas trop grand chose à vous dire. J'ai toujours pas lu. Je suis toujours dans un palais d'épines et de roses. En fait, je suis mitigée à continuer cette lecture. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me plonger dedans complètement. Je sais pas, j'ai. En fait, pour le moment, j'ai un coup de mou. J'ai envie de lire plein de trucs et je sais pas, j'ai un coup de mou. Je crois que c'est à la période des fêtes. Je suis pas dans mon assiette en fait. Je n'aime plus les fêtes depuis un moment. Du coup, voilà, j'avais deux livres que j'avais très envie de lire. Il y a celui-ci, l'autre, vous êtes dessus. À celui-là, et je vais essayer de le prendre quand même. Il bouge un petit peu, mais pas trop. Et celui-là. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si je lis ou je lis pas, je sais pas. Je suis mitigée entre deux. Voilà. Je regarde beaucoup de séries. Pour le moment, je regarde une série qui a l'air assez jeune. C'est de la jeunesse, mais voilà, j'aime bien. Ça change les idées un petit peu. Parce que j'ai vraiment pas le moral. C'est pour ça que je ne vous ai pas trop pris hier non plus. J'ai pas le moral. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai encore préparé. D'accord, ok. Encore une partie de mes affaires. Ranger, faire ma vaisselle. Voilà. Voilà. Parce que demain matin, je ne suis pas là. Je vais aider ma tantine. Il faudra que je monte ce vlog aussi. Il va être très court, je pense. Mais tant pis, c'est pas grave. Ce sera pas pour une fois qu'il sera court. Voilà. Et voilà. Je suis lessivée. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis lessivée. Voilà. J'espère que ça va aller. Aller mieux dans les jours qui à venir parce que voilà, il y a Noël quand même. Et je vous ferai un petit vlog le jour de Noël. Voilà, parce que je suis dans un truc assez spécial, du coup, j'ai envie de vous vlogger tout ça. Voilà, maintenant je ne sais pas si je lirai, mais voilà. Je voulais vous montrer ce que j'allais prendre avec moi, mais je ne sais pas en fait. Est-ce que je continue ça et je prends celui-là ou si je prends des autres que je vous ai montré et voilà. J'ai envie de le... J'aime pas d'arrêter en plein milieu un livre comme ça, mais je me dis que c'est peut-être pas la période que j'aurais dû le lire, mais voilà, je vais essayer quand même de continuer, je pense. Je sais pas, je vais voir. Là, j'ai envie de rien faire en fait. J'ai envie de me mettre dans mon fauteuil et dormir. Voilà. J'ai une grosse partie qui est faite. Je vous ai mis le livre en plein de face, c'est pas grave. Il faut que je fasse mes poils. Voilà. Là, je viens de sortir de la douche. J'ai fait quelques petits. J'ai fait mes sous-bras, ma partie intime et j'ai oublié mes jambes. Mais mon rasoir, j'utilise ceci. Je n'ai pas le nom du rasoir. C'est à deux têtes. Je sais pas si vous allez voir. Je fais ma beauté. Il y a deux têtes. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de. Et il était déchargé. Je fais avec ça, moi. Voilà. Et vous le chargez. Mais là, il est. Voilà. Il est en train de charger. Du coup, je ferai ça plus tard. Arrête. Voilà. Sur ce, j'ai pas grand-chose à vous dire à part le ménage, le rangement, préparer pour mes chats aussi. Oh là, j'ai fait beaucoup de nettoyage, du rangement, ça fait beaucoup de bien sur tout ça. Hier, j'ai rangé toute ma garde-robe de vêtements. Ça, c'est pas mal. J'ai fait rangement de mes affaires à manger. J'étais beaucoup aujourd'hui. J'avais plein de bonbonnes qu'on mange plus en fait. Nous, c'est par période les bonbonnes. Du coup, voilà. Pour le moment, c'est le chocolat. Voilà. Et du coup, ben voilà. J'ai ouvert mon calendrier. Relié. Calendrier de l'Avent. Que je vous ai même pas montré, mais c'est pas grave, de chocolat. Voilà. Il m'en reste plus que. 22, ouais, 3, 2, 23, 24, ouais, 22, 2 à manger, voilà, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, voilà, du coup, je n'ai plus rien trop à vous dire, le moral n'est pas là, du coup, voilà, j'ai retiré ma petite fontaine. À eau et on croit ces doigts aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux le nouveau reddit nouveau truc avec le Covid, ils font chier, j'en peux plus de ce Covid,
Oh, j'espère que pour les fêtes, ils vont nous laisser tranquilles. Voilà, mais c'est pas le top. Si j'ai bien vu, à 23h, il faut tous être rentrés. Chez nous. Du coup, ils me cassent les bonbons, je peux vous dire. Voilà. Et là, maintenant, j'attends 16h pour regarder une vidéo. Ouais, je vais regarder Kimi Collection, que je regarde tout le temps. Une que j'adore. Il faudrait une fois que je vous parle de toutes les personnes que je regarde vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà. J'entends aussi qu'elle revienne aussi. Je sais plus comment son nom, mais elle me manque aussi dans les vidéos. Du coup, voilà. Mais je vous essayerai une fois de faire une vidéo avec tous les noms. Je vous mettrai tout en barre d'infos avec les noms des youtubeurs que je regarde. Voilà. Et ici, depuis les Vlogmas. J'ai retrouvé sur une personne que j'aime beaucoup, enfin beaucoup, j'aime beaucoup regarder pour le moment. Un peu beauté, elle fait un peu tout ce qui est beauté, elle parle un peu de son quotidien, son ménage, tout ça. Et du coup, j'ai regardé, je sais plus son nom, mais j'aime beaucoup. Mais je vous en parlerai plus en profondeur, je prends l'année prochaine. Cette année, j'aurais pas le temps, j'aurais bien voulu faire entre Noël et Nouvel An, il faudra que je tourne des vidéos absolument, qu'il faut que je vous parle de la pâle décembre. Bon, elle était pas... J'avais fait une grande pâle, si vous vous souvenez, de décembre. Je savais que j'allais pas lire tout, mais j'ai quand même lu pas mal de livres. Enfin, je lis, je vais pas vous le dire, mais j'ai quand même lu des livres de la pâle. Celui-là, il est pas de la pâle, mais j'avais envie de le lire à un moment. Mais là, voilà. Et je crois que mon chat, il est en train de le passer dessus. Je sais pas si vous voulez voir, Youm. À la lèvre de la... Il a une griffe. Ici, il y a une griffe. Là, on le voit bien. Là, il y a un coup, mais ça, je ne sais pas. Mon chat passe par là. Et là aussi, je sais pas, vous allez voir. Ici, on voit les, là, on voit les coups. Mon chat passe par là, je ne sais ni, mais je sais pas pourquoi, mais voilà, il me casse les bonbons. Voilà. Et j'ai le en toc-toc, mais je voulais le lire. Et là, je sais pas pourquoi, mais il est noir. J'ai un truc qui est noirci, je ne sais ni. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et voilà, je vous reprendrai certainement demain. J'essaierai de vous montrer un petit peu ce que je prends dans ma valise. Enfin, je parle de livres. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog que j'avais déjà ouvert depuis un moment, mais je ne vous ai pas repris. J'avais pensé le fermer plus tôt, mais je me disais que j'allais faire cette semaine aussi avec. Voilà, vous l'aurez après Nouvel An. Voilà, du coup, on est le 27, si je dis pas de bêtises. Je sais pas que ça m'a monte. J'essaie de tourner. On est le 27 décembre. Voilà, exactement. On est lundi le 27 décembre. Et je viens ouvrir. Enfin, ouvrir, non. Continuer le vlog de la semaine passée. J'espère que votre Noël s'est bien passé. Que vous avez été gâtés sous le sapin. Voilà. Et que vous avez fait des bonnes lectures. Oh, t'es tout cracra, hein, ma chérie. Je vais sortir ma fifi et il pleut du coup, voilà, elle est toute cracra. Voilà, et du coup, venez vous parler un petit peu. Bon, j'ai pas grand-chose à vous dire. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de magasins. J'ai été... Non, choupette! Tu commences pas! J'ai fait du coup Ville 2, j'ai fait Rive Go, j'ai fait Ghostly, MediaMark. J'ai fait dans Ville 2, j'ai fait la Fnac, un magasin où ils vendent des casseroles moins chères et tout ça. On cherche après une balance. Enfin, monsieur voudrait bien une nouvelle balance parce que la mienne elle ne va plus. Du coup, on a été à la Fnac à Ville 2, le truc de casserole essentielle qui vend moins cher. On a fait dans Proximus et Orange. Puis de là, on est parti à Rive Gauche. Et Rive Gauche, on a été chez Orange. Et d'Orange à Rive Gauche, on est reparti à Cora, si je dis pas de bêtises. Cora.
De Cora, on s'est dit qu'il était déjà 1 heure et que je devais partir à 3 heures et qu'il fallait qu'on rentre manger. Monsieur a proposé d'aller manger à Pizza Hut à volonté. Voilà, du coup, on a été manger chez Pizza Hut à volonté. Ça fait du bien, ça. Ça m'a changé un petit peu. Voilà. Puis de là, on a été chez Vandenborg. Et là, enfin, oupi, j'ai pu commander. Du coup, à partir entre 3 à 7 jours, j'aurai mon nouveau téléphone. Voilà. J'ai fait tout ça au matin pour chercher mon téléphone, en fait. Voilà. Je vais changer parce que celui-ci a des soucis. Il commence à bugger un petit peu. Du coup, voilà. Et je suis trop contente d'avoir celui que je voulais en plus. Voilà, je vous tiendrai au courant, je vous le montrerai. Je garderai ce téléphone-ci pour filmer quand je l'aurai. Voilà, comme ça je vous montrerai le téléphone pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, quand je l'aurai. Voilà. Du coup, je n'ai pas beaucoup lu et j'ai toujours dans la palle, enfin, toujours dans un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas chez la Martinière Jeunesse. Je suis à la page 180, je n'avance pas et à partir du 3 janvier, je commence une nouvelle palle. Du coup, celui-là, il faudrait bien que je le termine ici, mais je pense pas le terminer. Je pense que je vais lire un petit peu et je vais l'abandonner, mais je le reprendrai plus tard. Parce que je veux commencer absolument ma palle. Parce que la palle que vous allez voir bientôt, faut que je sois avec elle. Je crois qu'elle a pas pris ses livres, mais c'est pas grave, je vais lui demander. Je ne sais plus. Je fais une palle spéciale. Enfin, ça va faire l'année, enfin, je suppose. On n'a pas parlé de combien de temps. En fait, on s'est dit 10 livres, moi et ma copine, avec des cas de. Grégory, comme moi, j'ai donné un chien sur la couverture, par exemple, elle m'en a donné aussi. Et j'ai dû choisir dans mes livres ce qui rentrait dans la catégorie, voilà, des livres. Du coup, j'ai mis 10 livres. Enfin non, il m'en manque un. Il m'en manque toujours un. Il faut qu'il choisisse. Il faut qu'il vienne choisir. Voilà. Du coup, il faut que je le fasse venir. Voilà, 10 livres. Il y en avait tous les deux un qu'on avait en commun. Enfin, on a deux trucs qu'on avait plusieurs en commun. Un choisi par une autre personne. Elle aussi, elle l'avait. Je l'avais mis aussi. Et alors, une lecture commune. Et on s'est dit qu'on va lire ensemble un livre Disney. Parce que voilà, nous, on se lit pas la même chose du tout. Du coup, il n'y a que les Disney qui ont dit la même chose. Du coup, on va lire un Disney, un. Un Twist Day, voilà. Donc on va lire ça. Ce sera mon premier en plus, ce sera bien. Voilà. Et il faut que monsieur choisisse ma nouvelle lecture. Voilà. Donc je parle. On va faire ça peut-être demain. On leur demandera à Mariette de choisir demain, comme elle vient logiquement. Voilà. Voilà ma journée. Puis je suis rentrée. Enfin, je suis rentrée qu'il était 2h30. J'ai fait vite le torchon de ma fifi parce que voilà, elle a fait pipi quand même sur le torchon à la maison. Tant que j'étais pas là, comme je suis partie de 10h à 2h, 2h30, je suis rentrée. Du coup, quand même, elle a droit de faire pipi, la pauvre. Du coup, j'ai ramassé ça. J'ai fait la petite vaisselle et j'ai dû partir avec ma tontine et mon tonton qui faisait sa troisième dose. Voilà, du coup, j'étais avec mon tonton. Voilà, le tenir, elle s'est garée comme tout. Voilà. Et après, je suis rentrée. C'est là que j'ai fait la vaisselle. Et puis là, je suis en train de vous mettre la vidéo. Elle est en train de s'uploader sur YouTube. Et il faut 2 heures pour la mettre sur YouTube. Du coup, je viens de la mettre. Et je me suis dit que j'allais un peu lire. Il est 17h35. À 18h30, j'ai ma série qui commence. Je me dis que j'ai une petite heure pour essayer d'avancer dans la palette d'épines et de roses. Voilà. J'arrive pas vraiment. Je crois que c'est ça. Enfin, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Mais tout le monde dit que le premier tome est assez dur à rentrer dedans. Du coup, c'est peut-être ça. J'espère arriver au tome 2 pour savoir. Voilà. Ce truc, c'est que mon chat a passé ses griffes dessus. Du coup, il a abîmé. Je sais pas si vous allez voir. Là, sa bouche l'envoie un coup. Et alors, là,
Il y a plein de petits coups dedans. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et alors, il y a un gros coup là. Mais ça, c'est pas mon chat. Je sais pas. Là, on voit bien le coup. Voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, je suis trop contente. Parce que j'avais demandé des petits sous pour mon anniversaire. Et du coup, voilà. Et j'ai encore eu des petits sous ici à Noël. Dans mes cadeaux. Et monsieur m'a mis le reste qui me manquait. Et du coup, voilà, j'ai aujourd'hui. J'ai pu aller chercher mon téléphone, mais du mal partout. Parce qu'il est en rupture de stock. Enfin, rupture de stock, oui et non. Parce qu'en fait, il y a un composant que tous les téléphones utilisent. Et ce composant-là est compliqué à produire autant. Et du coup, ils n'arrivent pas à produire assez de téléphones pour la demande qu'il y a. Et du coup, c'est ça qu'il y a. Voilà. Mais chez Madame Bord, je l'ai entre 3 et 7 jours. Il n'y avait que là que je pouvais l'avoir. Sans. Sans prendre un abonnement, parce que j'étais chez Proximus, Mobistar, il faut, je pouvais avoir, mais avec un abonnement, voilà. Mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai déjà mon abonnement qui me suffit largement. Voilà, du coup, voilà. Voilà. Et là, ben, je vais lire 1 heure et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Noël, c'est bien passé. Ben, c'est le vlog de Noël qui est en train d'uploader. Vous l'aurez mercredi. J'ai mis 10 heures. Voilà, comme ça vous l'aurez mercredi si ça vous tente de le regarder avant le nouvel an. N'hésitez pas à le retrouver sur la chaîne. Enfin, vous l'aurez plus tard, mais il sera sur la chaîne de toute façon. Nouvel an, je ne filme pas parce que là, je suis en famille et j'ai envie de garder la famille. Voilà, j'ai pas envie de tout. Peut-être des photos parce que vous. La fin du vlog de Paradise, vous allez voir, vous avez que des photos, mais je vous ai mis des photos de ce que j'ai mangé. Du coup, voilà, c'est 3-4 photos du plat. Parce qu'on a quand même bien mangé. On a eu les Hermès bouche, l'entrée froide, l'entrée chaude, le plat, le fromage et le dessert. Voilà. Et logiquement, on devait avoir un verre de champagne, mais on a eu la bouteille. Qu'on l'a eu et du coup on a eu une bouteille par personne, par voilà, par couple, on va dire ça comme ça. Et enfin c'était avantageux pour ceux qui étaient, je pense que c'était une bouteille par table. Du coup c'était avantageux pour nous comme on est que deux. Voilà, on a une bouteille pour nous deux. Voilà. Bon, nous on est revenu avec parce qu'on nous avait dit il y a 2 verres dans la chambre, vous buvez un verre si vous voulez. Mais nous on est revenu avec la bouteille. Voilà, j'avais pas envie de boire parce qu'on avait bu déjà une bouteille de vin, nous deux, qui était très bon. Je vous ai même mis la photo. Vous irez voir le vlog. La photo du vin est dessus. Il est très 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 bon et voilà, il est excellent. Au prix qu'il est, je veux bien. Voilà, mais on s'est dit c'est pas pour une fois, voilà. Avant, d'habitude on ferait pas ça parce que 40 balles la bouteille à ce prix-là, non, merci. Mais là on s'est dit on est une fois tous les deux, on a profité, voilà. Mais parce que le coca revenait cher, le coca est à 3,90. 3,90 le coca. Un verre de coca, c'est la peau des fesses, quoi. Voilà. Du coup on s'est dit bah on va prendre la bouteille, c'est moins cher. Voilà quoi. Du coup voilà. Je suis un peu fatiguée. Mais voilà. Du coup, on a bien mangé, on s'est bien amusé, on a eu mal partout. Hier, je ne vous ai pas repris dimanche. On est revenu samedi, mais samedi qu'on est revenu, on est revenu, j'étais chez ma belle-mère chercher mon fauf. Et puis, on est revenu à la maison. Je me suis occupée de mes bébés, quand même, mes petits chats, parce que ils avaient resté quand même une journée et une nuit complète. Tout seul et une petite journée samedi puisque voilà tant qu'on revienne quand même on a été déjeuner, on a passé notre temps et on devait rentrer la chambre par 11 h. Du coup un petit peu avant 11 h on a fait nos valises et on est reparti. On avait trop mal partout pour continuer la journée, du coup voilà. Et
On a bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi, moi. Du coup, c'est pour ça que je suis fatiguée. Parce que la veille, le 23, 23, 24, j'ai dormi 10 heures. Enfin, j'ai ouais, dormi 10 heures sur les 2 jours, quoi. Voilà, j'ai dormi 4 heures et 4, 4 heures et 5 heures, un truc comme ça, où j'avais dormi. Stressée. Et l'autre, ben, je suis pas chez moi, du coup, voilà. J'arrivais pas à me mettre comme je voulais dans le lit. Voilà. Et il y avait ça. Et du coup, voilà. Et puis le petit déjeuner aussi, je vous ai mis quelques photos. Enfin, j'ai filmé un petit peu le déjeuner. Et puis j'ai mis les photos de mon assiette que j'avais pris pour manger. Voilà. Et du coup, voilà. Tout s'est bien passé. Et ouais, je vous disais, du coup, on est rentrés, on s'est occupé de nos enfants. On s'est changé. On s'est refait beau. Et on est reparti chez ma mamie. On a été manger. Nous, le jour de Noël, on mange du boudin, des pommes de terre, enfin des croquettes. Il y a plusieurs sortes de croquettes, du coup. Nous, on a pris les petites boules, voilà, et de la compote. Du coup, voilà, on a mangé boudin, compote et croquettes. Voilà, et on a donné nos cadeaux. Du coup, j'ai eu des petits sous à ma mamie. Et Laura, j'ai eu des chocolats. Ah, j'ai eu une bougie, faudrait que je vous montre. Je vous essaierai de vous montrer ça demain. C'est toi qui m'embête. Je vous montrerai demain si je sais. C'est. Comment on dit? Vous mettez la tartelette au-dessus. Vous mettez la bougie en dessous et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment ça s'appelle. Photophore. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mais je vais vous montrer parce que moi, il est personnalisé. Voilà. Si vous avez des idées, mettez en commentaire. Je vous montrerai ça demain. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de me lever de mon lit. Voilà. Enfin, je suis sur le lit. Hein. Je suis vraiment pas couchée, mais parce que je suis encore habillée. Et du coup, voilà. Et j'ai attrapé une cloche à mon pied aussi. J'ai très mal. Voilà. Et ma tante, j'ai eu des chocolats. On a eu un petit. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus le nom. Des Ferrero, enfin des chocolats, Ferrero, voilà quoi. Des chocobons, ma mamie, avec une petite enveloppe. Et j'ai eu un plaid qu'on a en fil, voilà, qui est très beau. Je vous montrerai demain, parce que là, je ne saurais pas vous montrer. Mais je vais essayer de vous montrer ça demain, voilà. Du coup, voilà, c'est tout que j'ai eu. J'ai pas eu grand chose, enfin j'étais contente, hein. Mais nous on a plus de chocolat qu'autre chose, du coup voilà. Du coup voilà, mais pour ça je vais vous laisser parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous ai pris. Je vais essayer d'aller bouquiner un petit peu avant que ici tout commence et demain nous appartient commence. Voilà, il faut que j'enregistre aussi deux, enfin une chose, parce qu'aujourd'hui c'est Mimati et la Paris d'Aïssa avec les animateurs de RTL, je pense, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais enregistrer, je pense, Paris d'Aïssa et regarder Mimati. Parce que j'aime mieux Mimati que regarder ça. Je préfère regarder Paris d'Aïssa demain. De la journée ou la soirée, je ne sais pas. Voilà. Du coup, voilà, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Bisous, bisous. Bonjour, mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog où on est le mardi 20, 28 décembre. Ça diminue pour réveillonner. Voilà, je reviens dans ce vlog. Il est assez tard. Il est, je sais pas, je vous allez entendre le bzz. Il va être 9h. Enfin, il est 8h52 exactement. 20h52. Ça va trop vite les heures, les trucs, ce que vous voulez. Mais ce matin, j'ai fait un peu de rangement. Et après-midi, j'ai eu les amis qui sont venus. Voilà. Et on s'est fait nos échanges cadeaux. Du coup, voilà. Et là, je viens de mettre mon pyjama à mon aise pour bouquiner un peu. Mais je voulais vous montrer ce que j'avais reçu par mes amis. Je suis trop contente. Elle est trop, trop belle. Regardez ça. Elle est pas trop bien. Oh. Ça va aller. Vous voyez le moi? Ok. Top avec des petits strass. Et regardez comme elle est magnifique. Voilà. Je vous la tourne mieux. Hop.
Elle est trop belle. Elle est magnifique. Regardez sa petite tête, tout mimi. Voilà, je suis trop contente. Et ils ont pris au mois d'octobre parce que c'est le mois de mon anniversaire. Du coup, voilà, je suis trop contente. Elle est trop belle. Encore merci à eux. Si vous regardez cette vlog, voilà, c'est un vlog un peu mitigé entre deux semaines. Voilà, je vous aurais pas pris beaucoup, mais c'est tout. Demain, il y a le vlog qui sort de Noël. Enfin, vous l'aurez déjà vu logiquement. Parce que demain, je vais venir conclure le vlog au soir. Enfin, je sais pas, peut-être pas au soir. Il y a un truc qui est marqué, mais je ne sais pas ce qui est marqué. Il y a un truc qui est marqué. J'ai pas lu. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir ce qui est marqué. S'il pouvait faire le focus sur ce qui est écrit et pas sur ma tête. Enchantée, self-fall, confiance. Ouais, c'est pas en français, je crois. J'essaye de deviner, mais avec certains mots, ça va quoi. Du coup, je vais remettre ça dans sa petite boîte en attendant pour pas l'abîmer parce que j'ai pas encore trouvé sa place. Voilà. Voilà. Et même la boîte, elle est trop belle. Boum! Regardez la boîte, elle est. Je vous allez pas la voir. Il n'y a pas assez de lumière. Il y a des petites clochettes dessus. La boîte est trop belle. Vous voyez pas, mais regardez. Je sais pas si vous voyez les petites clochettes dessus, elle est trop belle. Là, peut-être on voit une fée clochette là aussi. Elle est trop belle la boîte. Et on voit ce que c'est en fait. Voilà. Et en même temps, je voulais vous reparler. Je suis toujours dans ma lecture. J'ai bien avancé. Aujourd'hui, hier. Je suis aux pages 208. Je viens de passer le chapitre 20. Je crois que c'est le 20 ou le 15. Merde. Si j'arrive pas. J'ai lu un petit peu avant qu'ils arrivent. Le 18, même pas 20. Le 18. Je commence à rentrer un petit peu plus dedans, mais c'est pas encore ça. Mais j'aimerais bien le terminer ici. Ça va être dur parce que le moment il y a notre pal qui va commencer. Je sais pas si elle va commencer tout de suite ou pas, ou si elle a une autre lecture. Voilà, il me reste tout ça à lire. Je sais même pas combien il fait de pages. Ouais, 500. Ouais. 500 et des pages. 518. On va essayer de bouquiner aujourd'hui et demain. Demain, j'aurai quand même d'autres choses à faire. Je perds mon bandana. C'est pas grave. Je vais vous tourner la vidéo de la pale. Voir si... Enfin, comme vous le saurez, je fais l'audio au début de la vidéo, mais je ne l'aurais pas réussi parce que j'avais mis beaucoup de livres. Je ne veux pas me représenter tous les livres. Je vais vous présenter ceux que j'ai lus par contre. Je vous mettrai dans le petit i. Logiquement, c'est là, je pense. La pale du mois de décembre, comme ça vous la verrez. Du coup, voilà, vous la verrez à ce moment-là. Vous n'avez qu'à aller retourner dessus et voilà, vous verrez tous les livres que j'avais mis dans la pale de décembre. Voilà. Voilà. J'ai commencé là. J'aurais pas dû commencer celui-là maintenant. Voilà, j'aurais dû commencer un autre de Noël, un petit de Noël. Ouais, j'avais envie, mais voilà. C'est pas grave, on va essayer de le terminer cette semaine. Avant vendredi, ce serait top, mais ça m'étonnerait fort. Parce que jeudi, j'ai journée pleine. Vendredi, normalement, du matin, ça peut être tranquillou. Jusque 3 heures, je pense que ça peut être tranquillou. J'aurai juste quelques trucs à fignoler dans la maison. Voilà. Après, logiquement, vers 4-5 heures. Enfin, je sais pas quelle heure exactement, mais vers 4-5 heures, normalement, mes amis viendront. On fait ensemble. Mais chez ma mamie. Du coup, voilà. Je couperai au montage, c'est bon.
Ouais. Du coup, on va chez ma mamie, réveillonner tous ensemble. Du coup, j'ai rien de spécial à préparer. Du coup, j'aurai peut-être le temps un peu de lire. Et voilà. Demain après-midi, j'ai juste pédicure. Je crois que je viendrai conclure le vlog avant d'aller à la pédicure. Comme ça, après, je vais le monter et vous l'uploader. Je vous mettrai peut-être vendredi matin. Comme ça, vous le verrez peut-être avant. Voilà. Et voilà. Comme ça, voilà. Je sais plus quoi vous raconter. Je suis fatiguée. Du coup, je vais vous laisser. Et je vais bouquiner un peu. Avancer le plus gros de ce livre. Que c'est pas. Voilà. Vous voyez la ligne ouverte? Et ben, je suis là. Voilà. Mais pour le moment, j'aime. Je vais pas dire que j'aime bien, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Il y a beaucoup de trucs avec beaucoup d'éléments, plein de d'informations qu'il faut rentrer dans le crâne. Les failles, les glands. Je sais plus comment son nom. Ouais, je sais même pas quand ça. Il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens. Du coup, il faut vraiment être attentif à tout. Et comme je le lis coupé, ben voilà, pour me remettre dedans, c'est compliqué. Du coup, on va essayer de bouquiner ça. Et je vous retrouve demain. Pour vous, à tantôt. Et moi, je vous fais des gros bisous. Bonsoir les petits sages, j'espère que vous allez bien. On est le 29 décembre. Je viens pour conclure le vlog. En même temps, pour vous dire que je suis toujours dans un palais d'épines et de roses. J'avance tout doucement. Je suis à 230. Hier, j'ai lu 30 pages. Donc c'était déjà bien. Je suis à la moitié, je pense. Ouais, je suis presque à la moitié. Voilà. Voilà. Et j'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. J'en ai pas fait grand chose, du coup voilà. Pas grand chose à vous dire. Sur ce, ben moi je vais vous laisser là. Je vais conclure le vlog. Comme ça, je vais le mettre pour vendredi prochain. Comme ça, vous l'aurez déjà. Et je reverrai un nouveau vlog à partir de lundi 3, je crois que c'est ça que j'ai vu. Oui, 3. Voilà, je rouvre un vlog le 3 et vous l'aurez, je sais plus quoi. Si je mets ce vlog vendredi prochain, le 3, je vous mets pour le 3 ce vlog que vous verrez qui fait Noël et Nouvel An. Voilà, ce sera les deux. Et je rouvre un à partir du 3. Du coup, voilà, vous regardez ce vlog quand j'ouvrirai un nouveau vlog. Voilà, j'espère que ça vous plaira ce vlog qui était court et c'était compliqué celui-ci. Voilà, entre deux fêtes qui se passent au milieu de de la semaine, du coup c'est plus compliqué à le faire. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a bien plu. Puis vous l'aurez vu avant, mais j'ai perdu un rush de quand je vous ferai le vlog. Du coup voilà, je vous ai mis un petit morceau. Une petite image, désolée, j'ai perdu le rush. Je suis désolée encore une fois. Je l'ai effacé sans. Je pensais que c'était une ancienne vidéo et en fait non. Du coup, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et j'espère que votre nouvel an se sera bien passé. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de janvier. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve. Plus tard. Bye bye tout le monde.